Série de vidéos en trigonométrie, nous allons aborder les angles associés. Considérons cette situation avec un point M et un angle donc de X radian, tel que représenté sur la figure. Si on place le point N symétrique de M par rapport à l'axe des abscisses, le point N se trouve donc comme présenté sur la figure. Le point N est associé à l'angle moins X radian. Dans cette situation, nous pouvons observer que les points M et N ont la même abscisse, et les points M et N ont des ordonnées qui sont opposées. Et donc, si on revient avec les notions de cosinus qui correspond à l'abscisse du point sur le cercle trigonométrique et le sinus, son ordonnée, on observe que pour tout x réel, le cosinus de moins x est égal au cosinus de x, donc ce qui traduit que M et N ont la même abscisse, et le sinus de moins x est l'opposé de sinus de x, ce qui traduit que M et N ont des ordonnées opposées. Ces deux relations-là sont fondamentales, elles sont très visuel. De la même façon, si nous reprenons la situation initiale d'un point M avec un angle de X radian, plaçons le point N maintenant symétrique par rapport à l'axe des ordonnées tel que représenté sur la figure. On observe pour le coup que ce sont maintenant les abscisses de M et N qui sont opposées et que M et N ont la même ordonnée. Il nous reste à définir maintenant l'angle associé au point N et on voit qu'il s'agit de pi moins X, c'est-à-dire que par rapport à un demi-tour complet, on est revenu de x radian. Et cela nous amène à ces deux relations fondamentales, que le cosinus de pi moins x est l'opposé de cosinus de x, ce qui signifie que les deux points M et N ont des abscisses qui sont opposées, et le sinus de pi moins x est exactement égal à sinus de x, M et N ont la même ordonnée. Enfin, repartons encore une fois de la situation initiale avec un point M associé à un nombre x. En opérant la symétrie centrale par rapport à l'origine du repère, le point O, on obtient le point N, donc M et N sont symétriques par rapport à O. On observe dans cette situation que M et N ont des coordonnées opposées, les deux abscisses et les deux ordonnées sont opposées, et le point N est associé au réel x plus un demi-tour, soit x plus pi. Et cela amène à cette nouvelle relation fondamentale des angles associés qui nous dit que le cosinus de x plus pi est l'opposé de cosinus de x, m et n ont des abscisses opposées, et le sinus de pi plus x est l'opposé de sinus de x, les deux ordonnées de m et n sont opposées. Un des intérêts de ces relations est de pouvoir calculer des angles associés, comme par exemple 4 pi sur 3, pour lequel on chercherait à calculer son cosinus. Le cosinus de 4 pi sur 3 est égal en fait au cosinus de pi plus pi sur 3. Il faut revenir à une valeur remarquable dont nous connaissons le cosinus. Or, on sait que pour tout x de r, le cosinus de x plus pi est égal à l'opposé de cosinus de x, et donc cosinus de pi plus pi sur 3 est égal à moins cosinus pi sur 3. Cos de pi sur 3, on le connaît, c'est 1 demi, donc cos de 4 pi sur 3 est égal à moins 1 demi. Une autre situation pour illustrer ces angles associés, on nous demande de calculer le sinus de 3 pi sur 4, eh bien il faut lire 3π sur 4 comme π moins π sur 4, connaître la propriété sur les angles associés avec π moins x. On sait que le sinus de π moins x est égal à sinus de x. Faites-vous le schéma dans la tête. Les deux points m et n ont dans cette situation les mêmes ordonnées. Et donc, le sinus de 3π sur 4 est égal au sinus de π sur 4. Et c'est une valeur remarquable qu'on connaît. C'est égal à racine carrée de 2 sur 2.